I think the best way to get into Tosca is to try to, if you know what it's the plot, try to forget the plot. Try to just go with the development of the characters and the drama. What Puccini tried to achieve is to make this real opera. That is why it's called From the Verismo, which means, you know, when the opera world, the opera history changed to this new kind of aesthetic that tries to emulate life in a really, really real way. So the way that you connect with the characters or with the context of the history in a way that you actually believe that what is going on stage is actually happening. Everything he wrote, Puccini, in the music, it's to enhance that experience. Everything has kind of like the timing of a real moment. And the music, what it does is like try to paint this reality through, obviously, the symbolism of the sounds, but in a kind of like super expressive way. So the orchestration, it's huge. The lavish sounds of the harmony or the melodies are kind of like all in these extremes. In Tosca, every instrument decision by Puccini has kind of like their own right to be there. Like the bells, obviously, it's because they are recalling the bells on Rome, and it's such a beautiful moment in the beginning of the third act because we are there when the sun rises. So somehow this calm of the early morning, it's perfect. Enjoy the sounds of the different bells of the different churches that are spread out Rome. So that's a Puccini decision to make this realism, you know, this verismo, because it's kind of like inviting you to be part of this scene and how that scene would sound if you were there. Tosca, c'est une cantatrice. On peut la définir comme ça. C'est une cantatrice et c'est une amoureuse. Et elle est très pieuse, elle est ardemment catholique, c'est aussi un élément très important. Et c'est une personne qui vit avant tout à travers son art et à travers l'attachement passionnel qu'elle a pour Mario. Et tout au long de l'opéra, on assiste à une sorte de piège qui lui est tendu. Elle est dans un univers d'hommes et elle se trouve prise petit à petit dans une sorte de souricière. Elle va être acculée à trahir malgré elle son amant, à livrer des informations politiques qu'elle aurait dû taire. Et elle est donc victime de pressions politiques extrêmes, de pressions policières extrêmes qui vont mettre à l'épreuve sa fidélité à Mario. Et puis elle a effectivement ce célèbre air Vici d'arte où elle explique que sa vocation est tout ce qui importe le plus dans sa vie, qu'elle n'a toujours vécu que d'art, qu'à travers l'art. Donc ça, elle l'exprime directement. Et sinon, du point de vue du langage, elle est associée, Tosca, à une musique extrêmement voluptueuse, avec des harmonies chatoyantes, avec des couleurs d'orchestre magnifiques. Elle est toujours dans un bain sonore extrêmement plein, très rond, avec des sonorités plutôt lumineuses. Il se passe quelque chose de très particulier dans cet air, c'est qu'il arrive au moment maximal de la tension dramatique. On a l'impression que le temps n'existe plus. Donc l'air commence sur le ton d'une prière, avec des accords très colorés et très doux, avec beaucoup de douceur et un sentiment très intérieur.
elle a un regard comme ça introspectif sur sa propre vie d'artiste. Là, elle s'adresse à Dieu et elle lui demande pourquoi il lui fait vivre une telle épreuve et qu'elle ressent cette situation comme une injustice terrible. Elle ne comprend pas comment elle a pu, comment en étant une simple artiste, elle peut être ainsi le jouet d'un sort si cruel. Et là, elle finit dans le silence, en fait, sans l'orchestre. Juste sur la fin. Sur Tosca, le service des accessoires s'occupe du petit mobilier jusqu'aux effets spéciaux. On a donc aussi cette fusillade au dernier acte qui fait partie donc, du travail des accessoires, les effets spéciaux. Et notamment sur le spectacle Tosca, les fusils qui vont servir au peloton d'exécution de Mario, qui sont des fusils d'époque. Puisque on a des modèles de 1822, ils sont chargés à la poudre noire, donc qu'on met en quantité limitée, puisque on a un équivalent de 2,5 g, voire 3 grammes au maximum, alors qu'à l'époque, les poudres utilisées permettaient une charge de 16 grammes de poudre noire dans un fusil comme ça. Donc qui était beaucoup plus conséquent, mais qui, sur scène, aurait sans doute fait beaucoup trop de bruit. Donc on a un système d'amorce qui met le feu à la poudre. La poudre est maintenue avec une bourre en polystyrène, ce qui donne aussi une chambre de compression et qui permet d'avoir un coup de feu qui va faire un bang, mais en plus qui va permettre d'avoir de la fumée et de la flamme au moment où le coup de feu retentit. On peut utiliser plusieurs types d'armes à feu hein, à l'opéra. Donc là, le Tosca sont des fusils type Napoléon, 19e, début 19e. On utilise aussi des fusils plus récents, type fusil gras, qui ont été créés, inventés fin 19e et qui ont servi dans les armées françaises jusqu'à même, beaucoup plus récemment, durant les deux guerres mondiales. Pour nous, les effets spéciaux ont souvent une dimension assez qui rajoute quelque chose au spectacle. C'est important, ça donne une dimension poétique et magique en fait.